où est-ce qu'on est? Alors on est sur le terrain de foot du club de Poblade et Mafoumet. C'est un village en fait qui se trouve tout près de Tarragone. Et pourquoi est-ce qu'on est venu spécifiquement sur ce terrain? On pourrait penser que c'est un terrain naturel à base d'herbes naturelles, mais finalement quand on y regarde de plus près, c'est du gazon synthétique qui est fabriqué à base de Dolex. Je propose qu'on le teste tout de suite. Va te changer, je t'attends. Okay. Allez, allez, vas-y. Ok. Vous préférez le synthétique ou le gazon normal? Si el sintético está mojado y alto, es mejor el sintético. Por lo que he dicho, porque toda la superficie está igual y en un campo de césped natural muchas veces no está todo uniforme. Entonces, si está mojado y alto, el césped artificial o sintético es mucho mejor. So where is exactly the Dowlex in this piece of turf? These filaments, this is the Dowlex material. And the difference between here and there is not only the shape and then the thickness. This is cast exactly, but it's the softness. I mean, for soccer is also called contact sport, because the players get very close to each other and they fall on the ground, so you want a grass that is relatively soft. In hockey, this doesn't happen so often. And what you need is actually very compact, as we said before, yarn, where the ball can roll and slide very fast. Dow is a sponsor of the Olympic Games. I mean, we really believe in this getting together of all the nations playing on sports. So the idea of part of the team I work with is to develop the resins that work best for the sport applications. Tout le processus du Dolex commence ici. Alors non, ce n'est pas sur les plages de Tarragone, mais bien sur ces bateaux qui amènent les dérivés de pétrole qui permettront de produire de l'éthylène, le composant principal du Dolex. Nous sommes donc devant l'usine de Dow, deuxième industrie chimique de la planète. C'est ici, juste derrière moi, que le Dolex, élément principal du gazon synthétique, est fabriqué. Alors, quelles sont les spécificités de cette innovation? Perrine va nous aider à y répondre. Is the basic raw material in the port, and from vessels through pipelines they come to those big tanks over there. We make the plastic out of the ethylene, one of the gases, and the olefin, which is a liquid, and then we make the pellets, which are then transported into the silos and stored there to be sent to the customers. Let's go. This is the product we make every day. This is Dowlex. And we produce thousands of these bags every day. Thousands, yes. This is the control room where we have the entire control of the plant. From here you can see what is happening in the plant, in each machine. And on top of knowing what is happening in the plant, you can really tell the machines what to do. So you can stop them and speed them up or start them up from here. So what customers do with this is they melt it again in different ways, and then they can make the turf, mixing it with other plastics, or they can make bags or bottles or whatever, using different techniques. Mais ici à Tarragone, l'entreprise Dow ne fait pas seulement de la production. Il y a aussi un laboratoire où des ingénieurs inventent de nouveaux produits, testent, améliorent et donnent des solutions aux clients et aux transformateurs du Dolex. Bonjour. Bonjour. To show you this area, we're going to have to ask you to put some safety glasses on. So, let's go then and we see. Can go.
Today we're going to be producing some film with the Dowlex resin. Then we can test this film for the different properties. Yeah, so we can check to see how resistant it is to tearing, how strong it is to break it. Comment est-ce qu'on va savoir justement si c'est dur, si c'est flexible, si on pourra s'en servir peut-être pour la pelouse plus tard? Bah écoute, je crois qu'on va suivre Martine qui va nous expliquer en détail tous les types d'expériences qu'ils font pour mesurer ça vraiment précisément. Okay. Should we go? So should we go? In the next lab? Take it to the lab? Yeah. This is one of our laboratories where we do a number of different physical tests. We're looking at the stress strain properties. Mm-hmm. Of the sample, and this shows this strain hardening effect is very typical of a tough material like Dowlex, which is what makes it very suitable for an application like grass. Il y a plein de métiers différents. On a vu en production, on a vu en développement, les tests, tout ça. La chimie, c'est pas que des tubes à essai, c'est pas que des laboratoires, c'est aussi, ça touche le sport, ça touche les personnes au quotidien. Tous les domaines. J'ai été assez épatée par le niveau de recherche qui est fait dessus, et donc vraiment toutes les innovations. C'est un travail permanent en contact avec les clients. Tu dis pas c'est chimique. Toi, tu es chimique, je t'ai expliqué. Ton corps, il est chimique, ton cerveau, il est chimique, tout. On dit soit c'est naturel, soit c'est synthétique. Voilà. Les chaises, elles donc sont la pelouse, elle était chimiquement synthétique.